Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique, à la fête du Sacré-Cœur de Jésus. La messe de ce matin sera célébrée pour le repos de l'âme de Madame Diane Perrault. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Nous allons réciter la louange au Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers. Je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles. Je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Parole du Seigneur.
de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, dans toutes les civilisations, le cœur a toujours été considéré comme l'organe le plus important de l'être humain. C'est grâce à lui que la vie circule en nous. On le considère comme le siège de l'amour humain. Il désigne ce qui est la source de nos relations, c'est-à-dire l'amitié, le dévouement, la générosité, la piété, l'accueil et que sais-je encore. En un mot, tout ce qui est chaleureux en nous et nous ouvre aux autres. Bref, il est le centre de notre personne.
Il n'est pas étonnant, alors, que l'on ne puisse penser Dieu autrement que comme un être d'amour. La Bible en parle abondamment. Le grand commandement, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur », l'affirme clairement. Les psaumes utilisent de multiples expressions tirées du langage du cœur et de l'amour pour parler de nos relations avec Dieu. Aussi, quand Jésus a voulu employer une image pour nous faire saisir qui est Dieu, il a utilisé le langage du cœur. L'histoire de l'enfant prodigue, dont le père allait voir tous les jours sur la route s'il ne revenait pas à la maison, en est un bel exemple. De même, l'évangile de la messe d'aujourd'hui, la brebis perdue est retrouvée. La dévotion au Sacré-Cœur nous révèle l'amour de Dieu pour nous. Malgré notre faiblesse et notre pauvreté, Dieu nous aime au point de faire de nous ses fils et ses filles. Cette même dévotion au Sacré-Cœur nous le rappelle et cela est bien consolant. Levons-nous maintenant pour remercier le Seigneur et lui exprimer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde-nous, t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église pour que tous les hommes attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous laissent en vie éternelle. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le pain de vie. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères et sœurs, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.